Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. L'Éthiopie accueille le 33e sommet de l'Union africaine prévu ces 9 et 10 février. En marge de cette rencontre importante axée sur la sécurité dans le continent, la 36e session ordinaire du Conseil exécutif se tient depuis ce jeudi 6 février à Addis Abeba en prélude au sommet des chefs des États africains. Création d'une commission de suivi pour la gestion des sociétés au Sénégal, une décision prise par le président de la République Macky Sall qui dénonce une gestion opaque selon le dernier rapport de la Cour des comptes du pays. Et enfin, une nouvelle loi sur les investissements fait son entrée en Éthiopie, une loi qui a pour but d'ouvrir les portes du pays à plus d'investisseurs étrangers en facilitant l'accès. Néanmoins, le secteur bancaire restera principalement axé sur le marché national. Mais tout d'abord, dans l'actualité, la sécurité du continent est au cœur du sommet de l'Union africaine. C'est sous le thème « Faire taire les armes et créer des conditions propices au développement du continent » que la réunion du Conseil exécutif s'est ouverte ce jeudi 6 février à Addis Abeba en Éthiopie, en prélude au sommet organisé par l'Union africaine. Ce sont donc les ministres des Affaires étrangères de 55 pays membres qui préparent la feuille de route durant 3 jours pour la rencontre des chefs d'État et des gouvernements prévue les 9 et 10 février prochains. Écoutons notre envoyé spécial à Addis Abeba, Fanny Mounichi, qui nous présente plus en détail cet événement. Les travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine se poursuivent ici à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'organisation panafricaine. La 36e session ordinaire réunit les ministres des Affaires étrangères des États membres. Une session de travail en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu les 9 et 10 février. Cette année, le thème « Faire taire les armes » répond à la hausse des conflits armés sur le continent, avec une attention particulière donnée à la crise libyenne, mais il sera également question de la réforme de l'UA, de la zone de libre-échange continentale, du climat ou encore de la transformation numérique. À l'occasion de ce sommet, le président en exercice de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, passera le témoin à son successeur, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef de l'État sud-africain qui a d'ores et déjà annoncé faire de l'autonomisation des femmes, l'une de ses priorités à la tête de l'UA. Togo, une démocratie en construction, c'est l'histoire politique du pays qui est retracée dans cet essai, une sortie du livre qui coïncide avec la date du scrutin présidentiel prévu le 22 février 2020. Si le titre suscite beaucoup de commentaires au sein de la classe politique togolaise, pour les deux auteurs Jean-Paul Agbo et Jean-Louis Kemayou, il s'agit avant tout d'un travail objectif. Reportage de notre correspondant Emma... Après le plat. Togo, une démocratie en construction, c'est l'histoire politique du pays qui est retracée dans cet essai. Une sortie du livre qui coïncide avec la date du scrutin présidentiel prévu le 22 février 2020. Si le titre suscite beaucoup de commentaires au sein de la classe politique togolaise, pour les deux auteurs Jean-Paul Agbo et Jean-Louis Kemayou, il s'agit avant tout d'un travail objectif. Plus de précisions dans ce reportage de MFA Kofi. C'est un récit d'une centaine de pages. Togo, une démocratie en construction. Le livre, coécrit par les journalistes Jean-Paul Agbo Ahouelété et lui, Magloire Kemayou, qui qualifie le Togo comme une démocratie naissante, malgré son histoire politique depuis les années 90. Au-delà des acquis de la Constitution de 92, qui garantissait la limitation des mandats, il y a également le droit de vote des Togolais de l'extérieur. Et puis, il y a cette Cour constitutionnelle qui n'existait pas, qui a été créée. Donc l'idée, c'est de raconter toute cette histoire, mais également de rappeler
quels sont les grands points d'achoppement qu'il y a eu dans l'histoire qui ont fait qu'aujourd'hui, certaines inimitiés ou amitiés politiques existent sur la scène togolaise. Paru à la veille de la présidentielle, le livre « Togo, une démocratie en construction » est un essai journalistique, même s'il ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique togolaise. C'est une expérience jeune qui est faite de progrès et de recul. Recul, on peut citer par exemple les modifications constitutionnelles intervenues en 2002. On peut faire cas d'un certain nombre de réalités que par exemple notre métier, la presse, a connues dans les années 90, dans les années 2000, mais aussi fait de séquences plus vertueuses. Rêve d'alternance de l'opposition, les enjeux du scrutin présidentiel du 22 février, les rendez-vous manqués, renouvellement auguré de la classe politique sont autant de thèmes développés dans le livre et qui viennent relancer le débat politique à quelques jours du scrutin présidentiel au Togo. Toujours dans l'actualité, la Haute Cour constitutionnelle malgache a déclaré ce mercredi 5 février la requête du président du Sénat Rivora Kotovao recevable. Une requête au sujet de l'annulation de 14 ordonnances prises par le président de la République André Rajoel en 2019. Le chef de l'État a omis de faire valider 14 ordonnances à l'Assemblée nationale. Il aurait dû le faire lors de la deuxième session parlementaire de 2019, comme l'exige une première décision de la Haute Cour constitutionnelle. C'est pour cette raison que Rivora Kotovao a réclamé l'annulation de ces textes, parmi lesquels figurait une loi qui réduit le nombre de sénateurs. Néanmoins, l'institution juridique donne une deuxième chance au président André Rajoel, qui lui permet finalement d'attendre la prochaine session parlementaire pour régulariser ses ordonnances. La Cour des comptes sénégalaise a publié son rapport sur la gestion des finances publiques. Plusieurs scandales financiers ont pu être dénombrés dans la gestion des sociétés nationales sénégalaises. Les rapports de 2016 et 2017 ont été présentés au chef de l'État du Sénégal, Macky Sall. Celui-ci a donc annoncé la mise en place d'une commission de suivi pour contrer ces dérives de gestion opaque. Un sujet de Philomène Tine. Différents services et agences de l'État ont été pris dans une gestion opaque des opérations budgétaires si l'on se réfère aux rapports 2016 et 2017 de la Cour des comptes du Sénégal. Ces derniers révèlent que le Centre international du commerce extérieur, CICES, aurait dépensé 119,3 millions de francs CFA en deux semaines pour louer des groupes électrogènes. Les contrôleurs de la Cour des comptes se sont par ailleurs intéressés à la gestion de la Caisse des dépôts et de consignations du ministère de l'Industrie et de l'Office des forages ruraux. Le fait que la Cour des comptes produise des rapports s'inscrit dans la perspective de rendre compte des ressources qui ont été utilisées donc par les institutions ou bien les entités appartenant à l'État. Parce que c'est des ressources publiques, montrer aux gens que c'est l'argent du peuple qui a été utilisé et maintenant comment il a été utilisé en termes d'efficacité, en termes d'efficience et de voir maintenant des résultats. Suite à ces manquements, le président Macky Sall promet un suivi. Il se traduirait notamment par la création d'une commission pour exploiter les rapports publiés par la Cour des comptes. Une promesse qui ne convainc pas bon nombre d'observateurs dans le pays. Maintenant, on s'est rendu compte que certains gestionnaires, ils ont été épinglés, donc leur gestion a été mise à nu, on a eu des manquements concernant leur gestion. Et je pense que maintenant, il appartient à l'État de prendre des dispositions afin que ces rapports ne soient pas rangés dans le tiroir des oubliettes. La Cour des comptes a passé au crible quelques 50 entités publiques dans un document de près de 800 pages au total. Les rapports annuels 2018-2019 seront publiés courant octobre 2020 selon l'institution de contrôle du Sénégal. Adoption d'une nouvelle loi sur l'investissement en Éthiopie, une nouvelle loi composée de 57 articles et qui doit permettre à l'Éthiopie d'attirer davantage d'investissements directs étrangers. Néanmoins, en Éthiopie, le secteur bancaire reste tout de même sous le contrôle d'opérateurs économiques nationaux afin de leur permettre une meilleure rentabilité. Les précisions dans ce sujet de Nathalie Mo. Une nouvelle loi sur l'investissement a été adoptée en Éthiopie. Elle vise à créer un cadre économique qui accélère la compétitivité mondiale de l'économie nationale, augmente les performances à l'exportation et génère de meilleures opportunités d'emploi.
Cette loi doit permettre à l'Éthiopie d'attirer davantage d'investissements directs étrangers. En local, on peut assister à une augmentation du niveau des investissements directs étrangers, même si cela ne va pas se faire de manière mécanique, puisqu'il faut prendre en compte les délais d'ajustement. Aussi au plan international, cette loi peut permettre à l'Éthiopie d'améliorer son placement dans les indices comme le Doing Business ou encore sa notation financière à l'international. Cependant, l'Éthiopie a émis des réserves sur l'ouverture du marché bancaire au secteur privé. La loi stipule que les services bancaires, d'assurance, de microcrédit et de microépargne seront réservés aux investisseurs nationaux. Une décision motivée par la rentabilité des deux institutions bancaires nationales, Awash Bank et Dashen Bank. On voit dans ces décisions un désir de la part des autorités de contrôler les flux financiers, certainement pour lutter contre le financement des activités illicites. On peut aussi voir avec ces décisions la volonté des autorités locales de réduire les difficultés auxquelles font face les PME, notamment dans l'accès au financement. La nouvelle loi sur l'investissement de l'Éthiopie compte 57 articles. Le pays qui est depuis 2018 engagé dans la diversification de son économie a récolté 2,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2019, en baisse de 800 millions de dollars par rapport à 2018. Dans le reste de l'actualité, 17e journée internationale contre l'excision ce jeudi 6 février. Des millions de filles sont excisées chaque année à travers le monde et cela malgré des campagnes de sensibilisation, la mobilisation d'associations sur le terrain et aussi des lois qui interdisent cette pratique. Elle serait 200 millions dont près de la moitié vivent en Égypte, en Éthiopie et en Indonésie selon le dernier bilan de 2016 de l'UNICEF. Dans la moitié des 30 pays qui pratiquent l'excision, la majorité des filles la subissent avant l'âge de 5 ans. En Égypte, au moins 80% des filles sont excisées entre 5 et 14 ans, parfois dans le cadre du passage à l'âge adulte. Un fléau qui a mené à la mort d'une jeune fille de 12 ans fin janvier 2020 lors d'une excision malgré l'interdiction par la loi en Égypte depuis 2008 de cette pratique. Les pays africains ne peuvent pas se permettre d'ignorer le fardeau croissant que le manque de paix et de sécurité fait peser sur les femmes à travers le continent. C'est la déclaration de Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Une déclaration faite ce lundi 3 février au cours d'une réunion de haut niveau. Pour la secrétaire, il faut considérer le problème et trouver une solution urgente afin de délivrer les femmes de tout abus et violence sexuelle perpétrés en marge des conflits. Un sujet de Victoria Sedji. C'est l'une des situations les plus bouleversantes au monde, celle des femmes en Afrique lors des crises sécuritaires et sociopolitiques. Et celle-ci préoccupe de plus en plus la communauté internationale. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique dénonce quant à elle l'absence de réaction sur cette situation qui fait des femmes des victimes éternelles de crises à répétition. Chaque fois que les armes parlent en Afrique, ce sont les petites filles qui en souffrent et qui cessent d'aller à l'école. Les femmes meurent en grand nombre et les abus sexuels liés au conflit augmentent. Jusqu'à quand en Afrique, les femmes continueront-elles d'être utilisées comme des armes de guerre et privées de leur dignité? Leur triste sort ne mérite-t-il pas de réelle prise de position? Si pour certains, il faut d'abord travailler à faire cesser les cris d'armes, d'autres insistent, il faut briser l'omerta pour que l'impunité sur les crimes de guerre et crimes sexuels ne soit plus jamais tolérée. Nous avons fait des recommandations, nous avons des rapports, et les témoignages sont sans précédent. Les femmes sont abandonnées. Les autorités disent, mais nous avons autre chose à faire. Les femmes, si elles-mêmes elles ne revendiquent pas, comment nous allons revendiquer? Sachant très bien que ce sont ces autorités-là qui ont mis les femmes dans ce genre de situation. La priorité pour les États et les autorités, ce n'est pas souvent d'aller régler les problèmes des femmes, c'est secondaire. De nombreux cas d'abus sexuels continuent d'être décriés dans plusieurs pays comme la Somalie, le Soudan du Sud ou même le Burundi. D'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, plus de 200 000 femmes ont été violées depuis la deuxième guerre du Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.